dur de meubler, hein. Je sais pas trop quoi dire. En attendant que la régie fasse quelque chose, pas. Qu'est-ce qu'ils ont piqué le stage? J'ai même pas vu qu'est-ce qu'ils ont piqué comme stage. Lucario! Ah, ça va jouer Lucario contre Puff. Parfait. Franchement, la pire chose à faire déjà dès le début, c'est de mettre un reste qui tue pas sur un Lucario. Ça va lui faire monter les pourcents, ça va être une horreur. Et c'est parti donc. Oh, et le bound qui a été trouvé puis après l'air dodge au secours, pourquoi? Ok, ça met la pression sur le shield. Ah, ça a peur, ça choque un peu, hein. Il est pas tout à fait chaud avec son perso, mais ça va vite revenir, vous inquiétez pas. Ça cherche des setups avec le neutral air, bien vu, dash attack. Là, pour l'instant, on farm les dégâts du côté de Ryuku. On prend quelques pourcents, voilà, mais c'est pour faire monter la rage, hein. Vous inquiétez pas. Voilà, les combos qui vont commencer à sortir de suite. Le upper, t'es pas safe au-dessus de Lucario. Tu risques d'avoir très très mal. À ce pourcentage-là, Jigglypuff peut mourir, hein. Très attention, Jigglypuff prend un denti de backer, c'est mort. Et puis surtout que là, j'ai l'impression qu'il essaie d'atterrir. Il y a un setup qu'il aime beaucoup faire contre moi. Il atterrit avec le fer du coup de backer. Il fait la même chose que Wolf, quoi. Sauf que c'est dur à faire avec Lucario. Oh, la bête, il aille pour survivre. Il a que 82%, il est déjà allé si loin. Et maintenant, faut tuer Lucario. Voilà, bien joué le backer. Il a raté le ledge, bien sûr. Ou alors il voulait venir ici. Mais il s'est fait punir. Il a raté le ledge et il s'est fait punir. Du coup, il se retrouve à 0%, plus de rage. Maintenant, va falloir build. Va falloir build à rage à nouveau. Et essayer de tuer ce Jigglypuff. Il va survivre, hein, maintenant. Il va survivre longtemps. Ou pas. Ou pas. Ou alors, je ferme ma gueule et... Oh, dommage. Il est allé vers la gauche. C'est pour ça. Le contre, il fait 0 dégâts, bien sûr. En fait, le contre de Lucario est basé sur sa rage et pas sur le knockback de l'adversaire ou la puissance du coup de l'adversaire. Donc forcément, plus il aura de l'âge, plus il aura de rage, et plus quand vous mettrez un petit jab à la con, vous irez long quand même. Hein. Quoi qu'il arrive, hein, c'est pas le knockback qui compte. Oh, le upper qui a touché, what the fuck. Et ça continue la phase de juggle, là. Il faut qu'il trouve un moyen d'atterrir. Il a réussi le grab de jeu. Jouer le grab, le drill. Drill reste peut-être un jour. Est-ce qu'il a bossé les setups un peu? Oh oui, dash attack, nerf, bien vu. Encore un nerf pour l'edge guard. Ça l'a ramené au milieu du terrain, dommage. Oh, oh, il s'est raté. Il s'est... Oui. Ah oui, le reste. Le reste. Waouh, bravo. Alors qu'on a... On a un monsieur qui vient de dire que... Oh, c'est marrant, c'est deux Pokémon. Et en fait, ils sont en train de jouer sur le stade Pokémon. C'est un combat Pokémon ou quoi, les frères? C'est pas délirant, il a dit. Oh, et là, ça arrête pas de sauter de la même manière. Ça space des fers, ça va empêcher Lucario de remonter. Bien. Le problème de Lucario, c'est qu'il peut faire des sacrés virgules. Et ouais, ça c'est trop combo, il presse sur ton shield. Et après, c'est un peu dur à faire. Hein. Un peu tricky. Mais ouais, c'est bien trop combo, hein, sur ton shield. Après, il y a peut-être. Oh! Fer reste. Fer reste. C'est. Ah ouais! Alors, on a joué hier avec Ryuku, je l'ai peut-être désynchronisé, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Putain, c'est que du BO3 au secours. Oh, le fer reste était magnifique. Il est sorti de nulle part, je l'ai même pas vu venir. Il a bien joué, hein. En plus, s'il se ratait, Lucario n'aurait pas eu le pouvoir pour le tuer, en fait. Il n'avait pas assez de rage pour le tuer du milieu du stage. Après, il aurait fallu le pousser, mais du coup, le smash n'aurait pas pu le tenir longtemps. Non, il survivait, je pense. Non, c'était un reste très très bien placé. Et je sais pourquoi on est sur ce stage, hein. ça devrait même plus m'étonner. Ryuku, hein, qui joue toujours sur ce stage. Ah là, il est un peu plus agressif, il va empêcher Jigglypuff de revenir. S'il prend des trades au passage, c'est très bien parce qu'il prend de la rage comme ça. Et après, il faut qu'il soit plus patient avec la rage. Hein. Il a un peu go-in sur des combos qui sont un peu durs. Hein. Jigglypuff peut jouer en second. On peut attendre qu'il fasse son pound, qu'il fasse ses actions comme ça. Et ensuite, après, il faut punir. Et Lucario, c'est pareil. Faut pas avoir peur. Voilà, tu te prends la charge de l'Orasphère, il peut pas dire. C'est fini. Ah, c'est bon. C'est bon. Il s'est rien passé. Le smash qui était chargé depuis si longtemps. Le smash qui est chargé depuis si longtemps.
Oh, oh les mouvements, ça y est, ça me fait du chaud, il commence à surchauffer. On va se faire. On veut garder la rage là du côté de Ryuku. On veut garder la rage, hein. Les 118% c'est très très bien. 133% c'est très bien pour lui. Là il peut tuer. Hein. Il fait un de ses setups de magicien là et c'est bon, il tue. Ah, petit coup, au secours, 89%, il prend un backer, il meurt hein. De n'importe où. Il prend un backer de Lucario, il meurt. Et il prendra un Kamehameha bien sûr dans la tête parce qu'il a que ça de toute façon Jigglypuff. Et là ça va être dur de remonter, voilà le backer. On n'oublie pas hein, le clutch factor de Jigglypuff, son rest. S'il arrive à placer un bon setup rest. S'il arrive à placer un bon setup rest, il y a moyen qu'il fasse des choses. Ou l'edge guard aussi hein. Ah c'était bien tenté. C'était bien tenté, il était descendu pour revenir mais. Mais c'est virgule de l'enfer. Il gère bien la recovery de Lucario en vrai. Alors que c'est si dur de recover avec Lucario. Je sais pas si vous avez déjà essayé de le jouer mais. Essayez de remonter d'aussi loin sans faire une ligne droite. Oh et là ça tente le setup pour reste hein. Je l'ai vu atterrir avec un up air. Oh F-Smash ça tue pas, ça tue pas, il aurait pu le charger un petit peu plus. Oh bien vu, le nerf qui touche. Il a essayé de keyframe avec le down air, le down B. F-Smash, pardon. Bien vu, on l'empêche de venir, on le garde au corner. Ah, il s'est fait corner head à sa place. Ah, ça l'a touché, t'es sérieux. Oh, et là, quoi. Oh, ça prend des dingueries de côté de lui. Ça y est, hein. Ryuku, il a dit, c'est bon, j'ai fini de me chauffer. Et voilà. Les deux persos allaient faire leur back air. Le problème, c'est qu'il y en a un, il avait une stock et l'autre, non. C'est un partout, hein. Ah ouais, là je vois l'aura qui vient, hein. Et attends, il s'est pas encore mordu le doigt pour build de l'aura. Il a pas encore fait comme Wanted. Hein. Il a fait ça, tu sais. Genre, il a fait le Gear Third. Il a le Gear Third où il se build de l'aura en se mordant le doigt. C'est peuple essayé, Ren. Il va se casser une jambe et il va devenir trop fort au jeu. Ouais, ouais. Malheureusement, Bill, c'est l'inverse. Et donc là, oh, il est au corner, il a essayé de grab deux fois. C'est pas si excellent. Vas-y, voilà, garde-le. T'es un peu loin. Ouais, faut tech. Oh là là, la tech, bien vu. C'est dans l'air, hein. il est très tricky. Je sais jamais de quel côté tu vas. Donc, bon, tu fais toujours tech. Tellement vite que le jeu n'a pas le temps de connecter. Ouais, le contre, mais encore une fois, il est pas basé sur le knockback, donc il allait un peu. Oh, il est pas allé si loin en fait, il a pas tant que ça de rage. 65%. Bah, après, c'est de quoi. Il a de quoi le tuer avec un backer là. Il a vraiment de quoi le tuer avec un backer, oui, son neutral air un peu glissable. Voilà, qu'est-ce que je disais. Oui, le neutral air de Lucario, s'il atterrit correctement, c'est trop dur de punir, voire impossible. Hein. Vaut mieux punir l'option 2 que l'option 1. Oh, il a pas grab, je m'attendais à ce qu'il fasse un grab, hein. C'était un grab. Il a peut-être essayé de faire autre chose, mais le problème c'est que ben bah, il est un peu petit quand il saute pas. Oui. Oh oui, la Riddler Dodge, bien joué. La panique. Jamais paniquer, hein, d'accord. Essaye de SDI vers le haut et tu sautes. Voilà quoi. À la limite tu peux essayer de faire ça, mais bon si tu fais toujours ça, c'est pareil, Lucario peut toujours revenir. Deviner ce que tu vas faire et là Rebuto il a. Oh le joli backer. Le backer qui est passé à travers l'aura. Bah oui. Évidemment que ça passe à travers l'aura. Il est de type fée. C'est la faiblesse du type combat. Ah, touché. Là il essaie de space et ça tue. Bien vu. Il n'y a même pas eu de finish screen, rien. Juste un F-Smash. Il a juste reculé lentement vers le milieu du stage et il s'est dit que son adversaire allait go in. C'est exactement ce qui s'est passé. GG aux deux joueurs.